Ouais, Nico, alors, tu me dis où on est? Alors, où on est? On est dans un dépôt de la SNCB, donc du côté de Namur. Donc celui-là, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, pour la petite histoire, on a été à la Villa Denis, c'est fini. Elle a été rachetée. La Villa Albanaise, donc on avait déjà fait, on est passé devant, c'est fini également. Et aujourd'hui, on est accompagné d'une école de tournage, donc l'IEX qui est là. Voilà, tu peux les filmer, ils sont tous là. Et voilà pour la petite visite. Donc, qui va être malheureusement courte, je pense, vu ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire pas grand-chose. Allez, c'est parti, go! De porte double pour la gare d'Astières. Donc Astières qui se situe pas loin de chez nous. On rappelle ici on est à Namur, hein. Donc on cache rien ici, vraiment rien à cacher. C'est pourri de chez pourri. Alors, comment ça se passe la journée? Très longue journée de tournage donc avec l'école de l'ISEX de Bruxelles. Donc là, ils font leur mise au point. On va tourner une scène. Et voilà, donc en même temps, on essaie de tourner l'épisode, ce qui est pas très pratique, vu que je dois être avec toi et avec eux. T'expliques un peu ce matin la surprise qu'on a eue, enfin que t'as eue en regardant le mail, parce que moi je ne savais Ah pas. ouais, donc au départ, on devait aller dans la Villa Denis. On pensait être non, nous deux et deux personnes de chez eux, et au final, ils sont venus à 5. Donc ça faisait 7 dans la maison. Heureusement et malheureusement, Villa Denis c'est terminé. Donc voilà, on se retrouve ici, il y a un peu plus de place, on est tranquille. Là vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Ok. Bon, on continue? Moi je continue de parler en tout cas. Ouais, d'après ce que tu as retrouvé, Ouais. c'était quoi? C'est un rapport avec la SNCB. Après, on n'a pas d'autres indications. Il y a une voie de chemin de fer à côté. Mais voilà, à part des murs, c'est tout ce qui reste. Donc c'est un dépôt, on nous l'a signalé comme dépôt SNCB. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. Ok. Allez. Donc l'endroit est donc vide de chez vide, mais on a quand même des aspects assez sympas, notamment ce couloir. Il y a des très beaux tags. Je ne suis pas amateur de tags, mais là ils sont vraiment bien faits. Et surtout cet aspect de la peinture qui s'écaille pour les photographes, c'est vraiment pas mal ici. Bon alors, tu me fais un bilan? Bilan. Donc assez vide, hein. Enfin assez même, il n'y a plus rien. Les étages sont encore en bon état, entre guillemets. Par contre, le bas, faut éviter, même la GoPro, elle évite.
faut éviter d'aller en bas parce que je sais pas ce qu'il y a eu, on dirait qu'il y a eu un bombardement. Le plancher tombe, voilà, donc, alors que c'est du béton armé. Sinon, bah, depuis le temps qu'on passait devant, bah, voilà, on est enfin venu. À moitié déçu, on s'en doutait. Mais voilà. Et le tournage alors de l'école? Le tournage, ça se termine depuis ce matin. Voilà, donc on les a aidés, nous ont demandé, on a dit oui. Voilà, on verra ce que ça va donner pour eux et puis on leur souhaite bonne chance. Voilà, allez, la suite pour le prochain épisode, salut!